Wesh l'équipe j'espère que vous allez tous bien. Bon aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité. Mais avant de commencer la vidéo les gars comme d'habitude lâchez un petit like, un petit commentaire pour le référencement je vous remercie. Et on va tout de suite commencer avec le main event annoncé par Dana White pour l'UFC 300. Personnellement je suis déçu et ce sera Alex Pereira contre Jamal Hill. Voilà. De base ils étaient en pour Alex Pereira en poids lourd face enfin, Spinal. Mais je pense que le coin d'Alex Pereira ont refusé qu'il combatte en poids lourd. Donc voilà là il va affronter Jamal Hill combattant très dangereux, je pense qu'il y a moyen qu'il perde euh, Alex Pereira contre Jamal, il, si, il combat comme il avait euh, combattu contre euh, Texera, il l'avait éclaté de fou, il l'avait massacré, et je pense que s'il si combat de la même manière comme à l'ancienne, il y a moyen que Pereira y perde, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que la plupart vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais vraiment, euh, il, il était chaud à une époque. Donc voilà, les amis. En tout cas, ils nous proposaient du lourd au genre le main event de folie, etc. Je m'attendais à un truc beaucoup plus. beaucoup plus haut. Donc voilà, encore une fois, je suis, je suis déçu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être autant déçus que moi. Bref. Maintenant les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il euh, y a ce mec-là qu'on voit beaucoup sur TikTok. Ah, et genre, il est hyper résistant niveau abdo, en fait. Et il y en a, ils lui mettre des coups de genoux, euh, même des coups de chaise, j'ai vu. Des coups de chaise, des, des crochets, etc. Et genre, il bronche pas à chaque fois. Et là, justement, il a demandé à Zebo de, de le taper. Sauf que, hé, hey, Zebo, il tape fort. Hein. Vous allez voir les crochets qu'il lui met. Euh, il cogne, hein, il envoie. Hein. Après, c'est dommage qu'il envoie pas ça en, <laughs> en combat. Mais il cogne, il cogne. Bref, je vous mets à la vidéo tout de suite. <laughs>

saute en horaire pour, euh, pour absorber un petit peu l'impact parce que le premier, le premier regardez, il bronche pas et on voit son visage, il change. Et le premier prochain c'est sûr et certain, à 10 000%, à 100 000%, la question elle se pose même pas, il lui arrache le, le ventre. Euh, regardez regardez euh, le premier prochain genre il bouge pas. Et Après il va, il va sauter. Ouais là, il veut rester. Et là voilà, ça y est, hein, il essaie d'absorber. Ah, il cogne, il cogne, il cogne. Bref, maintenant les gars, on va parler de... du champion Topuria, qui a défié Connor McGregor. Bon, contre Volkanovski, je ne me suis pas prononcé, mais moi, je me suis dit, il y a de fortes chances que Topuria gagne. Je me suis dit, il est, franchement, il, il a une très très belle boxe, etc. Et au final, il a gagné. Magnifique chaos contre Volka. Je pense que voilà, hein, Volka, ça y est, hein, il, en... il... il est dans... dans sa pente descendante. Voilà, ses plus beaux jours, je pense, sont, sont terminés, sont derrière lui. Euh, je pense qu'il qu serait temps qu'il envisage la retraite. Hein. Vaut mieux, vaut mieux. Voilà, c'est comme Fedor, comme plein de combattants, des gros champions qui ont pris la, leur retraite trop tard, en fait. À un moment donné, quand es au top de ton niveau, ça sert à rien de pousser, pousser, pousser. Il y a des petits jeunes qui viennent, ils ont la dalle. Volca, je ne sais pas combien de temps il est resté champion. J'ai vu ça l'info hier, plus de 1400 jours, ou je ne sais pas combien, ça fait je ne sais pas combien d'années. Euh, voilà Là il a perdu contre Islam Deux fois Je pense que ça lui a mis un coup au moral euh, En même temps physiquement Il commence à, à vieillir Donc euh, voilà Je pense qu'il devrait songer à la retraite En tout cas Nouveau champion Topuria Il est archi fort Vraiment Et il a défié Conor McGregor J'aurais aimé J'aurais aimé Que le Conor Prime Affronte le Topuria Prime Donc le Topuria de maintenant Ça aurait été probablement Un très très beau fight Je pense même si je pense que Connor aurait gagné. Donc là, il vient de le défier. Le champion Ilia Topuria défie Connor McGregor. Donc voilà, ça a été simple. Il lui a dit quoi Connor McGregor, si tu as encore des 1-1, je t'attendrai en Espagne. <laughs> Mais pourquoi un combat pour la ceinture C'est quoi là qu'il lui propose Je n'ai pas compris là. En tout cas, je pense que là, ça y est. Hein, il veut... Engranger un maximum de bif. Si Callout out Connor, c'est pas pour euh, le prestige, je vous le dis. Mais ça y est, Connor, il est terminé, je pense. Si Callout out Connor, c'est pour l'argent, les gars. C'est pour l'argent. Faut pas, faut pas être naïf. Hein. En tout cas, je sais pas. Je sais pas ce qu'un un combat donnerait entre les deux. Je sais même pas si je suis hype, en fait. Vraiment. Je sais même pas si je suis hypé par ce combat-là. En tout cas, dites-le moi, vous, en commentaire, si, si ça vous intéresserait un combat entre les deux. Les gars maintenant on va parler de Léon Edwards, il vient d'accepter trois propositions, enfin tous les combats qu'on lui a proposés, il les a acceptés, donc c'est un bonhomme, il a, refusé, il a refusé aucun bonhomme. Dedans on lui a proposé Bilal euh, Mohamed, Hamza Chimaev et Shafkat euh, Rachmanov, voilà donc il a accepté les trois combats. Personnellement je pense qu'un combat contre Shafkat euh, Rachmanov ce sera un beau combat, je ne sais pas ce que vous en pensez et je pense qu'il pourrait perdre face à Shafkat. Je pense que face à Bilel et Hamzat, il va les dérouler. Je vous dis la vérité, il hein, y en a ils vont pas être d'accord avec moi surtout par rapport à Hamzat. parce que dans la tête des gens Hamzat, c'est un ouf, etc. Alors qu'il est surcoté de dingue, que ça plaise ou pas. Hein. Que ça plaise ou pas. De toute façon, même lui, maintenant, <laughs> même lui maintenant, il parle plus de ceinture. Euh, il parle plus de. Ouais, il parle plus de ceinture. Il dit qu'il lui faut un maximum d'argent. Il s'est terminé les ceintures. Il ne se voit plus champion. Il ne dit plus, ouais, je vais être champion de telle catégorie ou je sais ou, pas quoi. Il ne parle que de bif. Donc, même lui, il sait que c'est chaud. Il sait que c'est chaud, les gars. Il a failli perdre contre euh, Ousmane. En short notice, il a accepté le combat. En trois rounds, En cinq rondes, il se serait fait... Il se serait, je pense, hein, je pense qu'il se serait fait euh, marcher dessus. Donc, voilà, il a accepté les trois combats. Personnellement, j'aimerais bien qu'on donne la, la chance à Chavkat je pense que c'est encore un petit peu tôt. Mais si les deux devraient s'affronter, ce, ce sera un beau, un beau combat, euh, je pense. Après, contre Ramzat aussi, mais je trouve que Ramzat il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'affronter euh, le champion euh, de la catégorie. Euh, il ne combat jamais. Euh, les combats qu'il fait, voilà, ils ne sont pas terribles. Faut, faut, faut il faut qu'il prouve encore. faut il prouve. Et maintenant, la famille, on va parler de karlamoussou et Cédric Doumbé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas karlamoussou, et qui connaissent très peu... Kiral Amoussou, ça a été le numéro 1 français de MMA pendant des années. Okay à une époque, il était Il était monstrueux. Okay de base, c'est un judoka. De, de famille, c'est un judoka. Son frère, euh, Bertrand Amoussou, Amoussou euh, c'est un judoka aussi. Et, et, et leur père est judoka aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Bertrand Amoussou, c'est lui. Bertrand Amoussou, il l'a coaché quand il était jeune, etc. Bertrand Amoussou, c'est lui, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, ceinture noire de judo. Karlamoussou, ceinture noire de judo. Et leur père, il me semble, aussi, ceinture noire de judo. Là, les gars, Baki, il a pris un champion de kickboxing pour l'entraîner pour le combat contre Dumbé. Et Dumbé, il a pris l'un des meilleurs judokas. Enfin, l'un des meilleurs judokas en MMA, qui est Karlamoussou. Voilà. Je vous ai souvent parlé de Karlamoussou, les gars. J'aurais aimé vraiment que Karlamoussou et Baki s'affrontent. Parce que les deux, ils ont le même style. Les deux en pied-point, ils sont, ils sont bons. Euh, les deux ont des super balayages. Les deux, c'est des judokas. Les deux. Voilà, ils ont un profil assez similaire et vraiment vraiment similaire. Hein. Sauf que je trouve Karl Amoussou plus explosif, etc. Mais leur profil est vraiment similaire. Et c'est un combat entre lui et Baki qui m'aurait autant hype que Dumbé Baki. Voilà, je vous mens pas. C'est un combat que j'aurais voulu voir. Mais il me semble que Karl euh, est en, en retraite. Je crois que le dernier qu'il a fait, c'est contre le bout, non Karl Amoussou. Karl Amoussou. Cher dog, On va vérifier ça tout de suite Il s'était fait fumer par Abdul Et après je crois il a affronté le Bou. Ouais c'est ça euh, Il a perdu contre le bout Et il a perdu contre Abdul Contre a Abdul il s'était fait massacrer d'accord Mais vous fiez pas à ces deux dernières performances Vraiment ça a été euh... 11 loses ah ouais quand même Il a fait beaucoup de loses hein. Ah ouais il a fait beaucoup de loses Mais c'était à une époque Il roulait sur tout le monde en France en pancras, en MMA aussi, il a été champion du Cage Warrior, je crois. Il me semble que c'était du Cage Warrior. Hein. Je crois que ça fait, ça fait 7 ans, 10 ans, 8 ans, je ne sais pas, peu, entre 7 et 10 ans. Et Carl, justement, il a dit quoi carla Amoussou, je suis agréablement surpris. En parlant de Cédric Dombé, il apprend à une vitesse incroyable. J'aime bien Baki, c'est un jeune humble bosseur. Mais Cédric, c'est une autre dimension. Donc voilà, les gars, pour que. Après, il dit quoi Baki n'a pas les armes. Donc pour. Pour que Carla Moussou dise que Cédric Doumbé, genre, il sort du lot, c'est que Cédric Doumbé, ça doit être un truc de fou. Voilà, pour dire que Baki n'a pas les armes, les gars. Je ne sais pas si vous, si vous imaginez la puissance de la phrase, la violence de la phrase. Baki n'a pas les armes, c'est incroyable. Elle est tellement puissante, est, cette phrase. Ça, ça résume beaucoup, en fait. En tout cas, les gars, le combat arrive bientôt. Je ne sais pas combien de temps. Attendez, on est le 18, c'est dans deux semaines, trois semaines. Ouais, ça arrive vite, quoi. Bref les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao ciao.